belle victoire acquise dans la difficulté. Après, c'est au prix donc de beaucoup d'efforts, mais aussi il y a eu de la casse. Donc voilà, je tiens avant tout à féliciter les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais d'eux. On était venu avec l'objectif de prendre 3 points, c'est ce qu'on a fait. Récupérer les points perdus sur le dernier match à domicile. Ça permet de lancer cette année 2014 de la meilleure des façons. Acquérir de la confiance, j'espère, et puis surtout maintenant récupérer les joueurs parce que, voilà, comme je l'ai dit, il y a eu de la casse. Et puis après, valider ce résultat à l'extérieur avec une grosse performance face à Dijon samedi à domicile. C'est clair que c'était un match difficile par rapport au terrain et tout. Il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés, mais aujourd'hui, on avait, je pense, le petit facteur chance avec nous. On a su marquer le but qui les a fait mal et bon, ils ont poussé. On a su être costaud, mais malheureusement, ils ne sont pas revenus au score. Et donc, ce soir, on est très content de revenir avec les 3 points. On savait que ça allait être un match très, 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 très dur. Et voilà, on est tombé sur un bon bloc et nous, on a su marquer, être réaliste, faire le dos rond quand c'était dur. Et voilà, et jouer les contres à fond. Et je pense qu'on a réalisé un bon match. Et quand on regarde le match, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, mais bon, on a cherché cette réussite. La réussite qu'on n'avait pas contre Istres, elle est revenue aujourd'hui. Tout le monde est content, donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Les conditions de jeu étaient difficiles pour les deux équipes. Mais voilà, j'ai aimé non seulement le comportement, mais aussi l'attitude, le jeu qu'on a fourni. Même si voilà, on a eu aussi pas mal de réussites, parce qu'on s'attendait à avoir une équipe de Brest qui allait se révolter. Elle a fait en tout cas le match qu'on attend d'une équipe qui est relégable, hein, qui est aujourd'hui à un point de la relégation, qui veut pas mourir. Donc voilà, et il fallait répondre présent dans les duels et puis surtout être capable de jouer et puis se procurer des situations. Donc c'est vrai, on en a aussi de belles, on en a marqué un de but. Donc ça suffit pour en tout cas gagner, rapporter les 3 points de la victoire. On a fait pas mal de phases de jeu au début du match. C'est ça qui, justement, quand on commençait à jouer, ça nous a ouvert un peu et c'est grâce à ça qu'on marque le but, je pense. Mais après, malheureusement, on n'a pas su garder ce jeu-là qui aurait peut-être leur fait encore plus mal. On a dégagé, on a été costaud, mais on n'a pas fait plus de jeu que ça. Et donc, ce soir, on est très content du résultat, bien sûr. Chaque match, ça va être un combat. On l'a vu aujourd'hui. Pour prendre 3 points, il a fallu. Il y a 2 joueurs qui nous ont quittés, il y a 2 joueurs qui sont rentrés, il faut se battre, je pense qu'il faut. C'est la guerre, en fait. Chaque match, ça va être la guerre et je pense qu'il ne faut pas trop regarder le classement parce que sinon on va se prendre la tête. Vaut mieux prendre match après match, aborder de la meilleure des façons, rentrer sur le terrain pour tout massacrer en fait. Comme ça, on n'aura pas de regrets au moins. Pour l'instant, ça fait la 2e de suite qu'on gagne. Bon, il faut continuer là-dessus, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est à domicile. C'est les matchs aussi très importants, donc il faut gagner à domicile aussi pour confirmer.